Salut tout le monde, c'est Snipey pour la suite de nos aventures sur Mass Effect 3. Donc on s'était arrêté, si je me souviens bien, il y avait un débat entre les Krogan et les Turiens. Et Shepard a mis son petit grain de sel et a dit que grosso modo on allait aider les deux factions pour qu'ensuite ils s'allient et qu'on déclare, enfin qu'ils soient avec nous pendant la guerre contre les moissonneurs. Et donc voilà, on s'est arrêté là, si je me souviens bien. J'espère que tout le monde va bien. Je vois qu'il y a déjà Hayato et Matalia sur le chat. J'espère que vous allez bien toutes les deux. Alors, ça fait un moment que j'ai pas joué à Mass Effect là. Hein. Il va falloir que je reprenne encore une fois l'habitude. Décidément, à chaque fois que je joue au jeu, je le lis, mais bon. Dépôt de carburant, relais cosmodésique. Et moi, ça va, un peu fatigué là, mais ça va. Je survis. Alors, on va aller aider les Krogan en premier. Alors, extraction de Turien en quête de la présence de Cerberus. Et blablabla. Y a rien pour les Krogan? Enquêter sur les éclaireurs disparus. Bon bah on va aider les Turiens alors en premier. Ah, je l'avais fait avec les Krogan, je sais plus. Franchement, je sais plus, mais si tu me dis que je l'ai terminé, je veux bien te croire. Ça fait un bout de temps que j'ai pas joué, donc. Entrer dans l'orbite, c'est bon. Alors, enquêter, ça prend. Non. C'est ça qui m'intéresse. Il faut aider les Turiens. Alors, bon, bah, vu qu'il faut aider les Turiens, on va prendre Garrus. Ah oui, chercher la femelle, ok, oui, donc ça je l'avais fait. C'est vrai. Merci de rafraîchir ma mémoire. Et je vais prendre Idea avec moi. J'espère que le son est plutôt bon. Normalement, oui, hein, mais pour le moment, ça a pas beaucoup parlé. J'ai des soucis avec ma souris, il va falloir que je l'envoie au SAV parce que là, des fois, elle s'arrête en fait toute seule de bouger. Les clics fonctionnent toujours, mais c'est comme si la lentille ne détectait plus rien. Alors, athlète, bonus de dégâts, on va augmenter la santé ou les dégâts? Vais plutôt augmenter ça. Hop. Fortification, renforce les blindages à l'aide de courant. Juste mettre. Quoique. Et quoi après? Ouais. Bon, j'espère que ça s'entend pas trop, que je suis fatigué. Je suis un peu en mode zombie là. Cet endroit est un vrai cauchemar. Mais ça va le faire. Vrax avait raison pour ses éclaireurs. Idea, de nouvelles infos? Le manifeste de Alors dites-moi si le son du jeu n'est pas assez fort, n'hésitez pas. Lieutenant Tarkin Victus. Victus? Le fils du Primarque. Essaye de le vendre. Pour un commandant turien, ce qui s'est passé ici, disons que le code turien est strict. Et le fait qu'il s'agisse de son fils est mauvais pour le Primarque. Ça finira par lui retomber sur le coin de la gueule. Mais le plus bizarre, c'est que le Primarque le sait. Commandant, je dois atterrir bien à l'écart du site lui-même. C'est votre maximum? Oui, mais les moissonneurs ne semblent pas nous avoir repérés. Vous pourriez avoir l'initiative. Très bien, posez-vous. Allons sauver ce peloton. Salut Abby. Bah, tu es en retard de 5 minutes, on te pardonne. Ok. Le lieutenant Victus est en ligne? Oui, mais la connexion est mauvaise. Branche-moi.
Ici le commandant Shepard de l'armée de l'Alliance. Vous me recevez? Ici le lieutenant Tarkin Victus du 9e peloton. Nous sommes cloués par des psychosaures et subissons de lourdes pertes. Et mes hommes sont dispersés par paquets sur la trajectoire du crash. Lieutenant, signalez votre position en tirant une fusée éclairante. Oh, ils ont pas l'air très loin. Ça empire de minute en minute. Mes hommes meurent. Ça va mal. Alors, j'ai pas eu de retour de votre part. Est-ce qu'au niveau du son, ma voix est bonne? Est-ce que j'ai une bonne voix? Est-ce qu'elle est sexy? Ah, n'importe quoi. Bon. Qu'ils peuvent bien y faire. Les cartes de la région ne font état d'aucune ressource importante. Silence. Des ennemis. Tuez-les vite. Ils risqueraient d'appeler des renforts. Allez, prenez ça. Saleté. Entendu. Moi, je t'entends bien, Snipey. Oh oui, Snipey, elle est sexe ta voix. N'importe quoi. Entendu. Bon. Merde, comment on fait pour ramasser l'espace? Je vais mettre mon casque Beats après, je te dis ça. Regardez comment elle se la pète avec son casque Beats. Bon. Et l'échelle, je l'avais pas eu. Le son a l'air correct de ce que j'entends là. D'accord. Bon bah c'est nickel maintenant. Si j'arrive à régler ça, j'arrêterai de vous demander à chaque fois en début de live si le son est bon. Normalement j'ai trouvé la bonne balance. Et il y a un module d'évacuation juste après. Les Turiens sont dedans jusqu'au cou. Les ennemis devant. Et il était temps. Présence. On a l'effet de surprise pour une fois. J'aime bien ça. Exactement. On y va. Hey Shepard. Galipette. Ouais, on avance là. Ah, une pustule dans le dos là. Merde, ça c'est l'idée. Pour ceux que ça intéresse, je ferai peut-être ce soir du South Park. Ce sera pas un let's play. Enfin, je vais le faire, mais ce sera un peu comme Final Fantasy. Je vais le terminer une première fois. Et ensuite, je le referai en faisant un let's play en fait. J'ai plutôt envie de le découvrir en jouant. Sans me prendre la tête au niveau des commentaires, mais comment vous expliquer ça? J'ai envie de le faire à la cool, et après j'ai envie de le faire avec vous en let's play. Donc je le ferai deux fois, je pense. Mais bien sûr, je le ferai pas deux fois d'affilée. Je le ferai une première fois pour moi, et puis ensuite pour YouTube, etc. A tué sur la mission des Turiens donnée par le Primarque. Ouais, c'est ça. C'est la mission que je voulais faire. Aider les Turiens. Nous sommes parvenus à tous les sauver. Donc là, je pense que je vais jouer une heure et demie, deux heures. Je vais essayer de faire des sessions maintenant comme ça au niveau des lives. Parce que sur Beyond Two Souls, c'est ce qu'il faut. Je pense que c'est ni trop... Enfin... Ça fait quand même beaucoup à regarder en replay, mais bon, après c'est un live, donc faut que ça dure quand même. Je vais pas faire des lives d'une demi-heure. Je pense que l'idée de faire des lives, des sessions comme ça tous les jours d'une heure et demie, deux heures, c'est plutôt pas mal. 13-2, non, je l'ai pas commencé à Yato. J'attends de trouver des cheats. Je vais essayer un truc ce soir ou demain au niveau des cheats, parce que tout ce que j'ai essayé ne marche pas. Là j'ai trouvé un nouveau truc avant de commencer ce live, donc du coup voilà, faudra que je teste. D'ailleurs j'ai testé un mod sur GTA V, c'est assez marrant, c'est, en gros c'est comme s'il y avait un tsunami géant sur la ville, et donc toute la ville est sous l'eau. Et c'est plutôt sympa. Voilà. J'ai pas mal de trucs ces derniers temps. Qui sont plutôt cool, et j'espère vous montrer tout ça un de ces jours. Bah là, le truc c'est que j'ai trouvé plein d'éditeurs de sauvegarde et tout. Mais une fois la sauvegarde chargée, le jeu dit données corrompues, je sais pas quoi, là, il veut pas me charger ma partie.
psychosaure, quoi. Jurassic Park. Prends ça. Dans ton cul. Allez, meurs, connard. Prends pas la fuite, salopard, va. Je gaspille toutes mes munitions sur ta gueule. Ça va, il y en a ici. Si tu arrives à le tuer, il y a un succès. Ah bah, j'ai pas réussi. Papé. Il est à coucher. Bon, merde. Wouhou! Est-ce que vous me recevez, commandant? Je répète, est-ce que vous me recevez? Ici Shepard. Quelle est votre situation? On est dedans, commandant. Quand arriverez-vous? Accrochez-vous. Nous arrivons. De quoi? Il y a tout ce qui te donne quoi? Des codes pour Lightning, pour FF13-2? Excuse-moi, j'ai pas très bien suivi. Moi j'arrive à tricher parce que ma console est en custom firmware et donc du coup je peux faire des trucs que les consoles avec un firmware original ne peuvent pas faire, comme installer des cheat PKG ou des trucs comme ça. Par contre je sais pas du tout si je vais au bon endroit. Comment je faisais déjà pour savoir... Merde. J'appuyais sur une touche. Et ça me disait où est-ce que c'était l'objectif. Je sais plus c'est quoi. D'accord. Okay. Ah. Qui fait ici? Non. Affirmatif. Légal. Objectif. Oui, le code pour 13-2 parce que je suis bloqué à un certain niveau. Bah écoute, si c'est un code qui est possible sur toutes les consoles, je te le donnerai, mais sinon il faudra une console modifiée, malheureusement. Il y a des éditeurs de sauvegarde, des trucs comme ça, mais chez moi j'arrive pas à les faire marcher, quoi. À chaque fois ça me met sauvegarde corrompue. Cette zone est plutôt grande là. Ça indique. Ça indique rien du tout, mais j'ai eu l'impression qu'il va y avoir un gros combat ici. Bon. L'objectif. Tout de suite. Sur quelle touche que j'appuie, okay. Putain, pour le faire apparaître. D'accord. Ah, c'est sur V. Comme va. Comme rien. Alors. Ok. Mais comment moi là-haut? Oui. Bon. C'est génial. Ah, on peut peut-être passer là-haut là. Ah, ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Casque Beats dit le son est parfait. Eh bien, remercie ton casque Beats, il dit ça. Par contre là, je suis un peu dans la merde. Comment j'y vais moi ici? Allez Shepard, arrête de faire des galipettes. Bon, faut trouver un autre chemin, je pense. Moi qui ai une échelle dans le coin. Pas fait gaffe. Pourquoi ça m'a mis cette arme d'un coup? Je pète le mur là? Peut-être ça. Oh là. Non, c'est pas ça. C'est
J'espère que j'ai pas fait une connerie. Oh Dieu, j'ai détruit une planète. Je suis bloqué, c'est génial. J'espère que c'est pas un script qui a buggé du jeu, parce que j'ai l'impression qu'en fait je dois juste parler au lieutenant qui est censé être ici. Mais y a rien. Lieutenant, t'es invisible, lieutenant. Peut-être une échelle planquée quelque part. Là, je suis vraiment dans la merde. Bon, c'est pas possible, ça va pas être coincé comme ça dès le début du live. Chier. C'est même plus d'où je viens en plus. C'est important de savoir d'où l'on vient. Je vais allonger les murs, je vais voir s'il n'y a pas un truc que j'ai raté. Incroyable. Hé, galipette! Allez, Shepard, la saute là. Putain. Je suis dans la merde. C'est génial. On va regarder le journal. Donc là, on est au peloton turien, je crois. Non, on doit pas être là. Merde. Blablabla. Personne sait où ce que je dois faire là exactement, parce que clique sur le peloton turien avec ta souris. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Bla bla bla. Ah, c'est nul. Je suis désolé. Le pire, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est un bug du jeu. N'hésite à recharger la zone là où ma partie, j'en sais rien. C'est la mission sauvegarde auto. Bon, la sauvegarde auto, en espérant qu'on recommence pas toute la mission. Non, c'est bon, on recommence pas tout. Quelle est notre vitesse ? Décélération enclenchée. Qu'on va avoir, hein. Croisons les doigts pour que ce soit un bug. On lui demandera quand on le verra. Peut-être parce que j'ai pas pris les échelles. Le script s'est pas lancé. Putain, m'a fait peur cette conne. Bon. Cours, cours, cours.
Je descends ou pas? Ah, fallait peut-être pas descendre. Hein. Peut-être passer par là. Tourner le truc. Peut-être pour ça. Ah bah non, je reviens. Je reviens où j'étais là. Et non. On va voir s'il est là-bas, mais. Il n'est pas là. Je suis vraiment bloqué. Hein. J'ai pas l'air con. Bon, je vais essayer de remonter. Et si c'est pas ça, bah, je vais recharger la partie. Y a pas un truc à casser bah, dans ce jeu, casser des murs, ça serait étonnant. Mais bon, pourquoi pas, vu qu'il y a cette arme un peu particulière là. D'ailleurs, là, il y a. On peut pas le péter ça. Bah non. Faut bien avoir un truc, c'est pas possible. Ouais, je vais recharger encore une fois. Je comprends pas. I don't understand. On lui demandera quand on le verra. Ouais, quand on le verra, si on le voit. Parce que là, on est mal barré. Avec Galipette avant. Non. Ah, je sais pas. Ah, mais arrête. Mais, ah, mais je veux que tu cours. Putain, le bouton de saut, c'est le même que pour sprinter. Alors, du coup, c'est un peu con. Je vais prendre le chemin de gauche. On va changer. Bon, change pas grand chose. Maintenant, quelqu'un. S'il vous plaît. Ah mais... Fait tout avec la touche d'espace, on ramasse, on sprint et on saute. C'est parti. Ouhou. Je comprends vraiment pas ce que je dois faire. Ça se trouve, c'est un truc tout con. Et les gens sur YouTube, ils vont se dire, mais quel débile. Bloqué sur ça, mais c'est pas possible. Monter là. Je comprends vraiment pas. Pas d'échelle. Non mais c'est pas possible. Il va y avoir un trou, un truc comme ça que j'ai pas vu. Monter là-dessus. Allez. C'est
C'est génial. Je sais pas combien de temps ça fait que je suis bloqué là-dessus. Ça doit bien faire 10 minutes maintenant. On va faire tout le live comme ça. Et le pire de ça, c'est que je peux pas retourner en arrière. Pas monter là-dessus là. Je peux pas du tout remonter, donc à mon avis c'est bien ici qu'il faut aller. De toute façon, pas 30 000 chemins. S'il y a quelqu'un qui a une solution, je suis preneur, parce que là. C'est vraiment la galère. Vérifie qu'il n'y ait pas un passage ou tout en dessous le rocher, non? Que dalle. Allez. Putain, ils font chier avec leur mur invisible de merde. C'est pas où fallait toi là? Et toi, tu peux pas dire non? Compris, compris. Entendu. Je te dis d'aller là-bas, tu vas comment? Compris. Affirmatif. Allez, vas-y. Non, tu veux pas me montrer le chemin? Ça marche. Apparemment, sur le chat, vous êtes aussi bloqué, vous. Je crois que la mission a bugué dans une zone pareille, il devrait avoir des ennemis en toute logique. Ben oui, c'est ce que j'ai dit quand je suis arrivé dans la zone, mais. Donc faudrait que je relance la mission. Je recommence tout. Ben, je vais relancer la mission hein, et ben, continuer de chercher pour voir. Recommencer la mission de Tushanka. Donc ouais, continuez de chercher hein, si ça se trouve c'est pas un bug, je sais rien. Du coup tac, je vais pas prendre Idea Nigarius pour voir, ça se trouve ça c'est le bug provoqué par un choix de personnage. Ouais, on s'en fout. Cet endroit est un vrai cauchemar. Vrax avait raison pour ses éclaireurs. Allez, on peut pas le passer. De nouvelles infos? Le manifeste de mission affirme que le commandant Turien serait le lieutenant Tarkin Victus. Victus? Le fils du Primarque. Essaye de le vendre. Bon, je vais prendre de la Red Bull là. Son père devient Primarque et l'envoie en mission secrète. À la vôtre. Bon, commandant. Je dois atterrir bien à l'écart du site lui-même. C'est votre maximum? Oui, mais les moissonneurs ne semblent pas nous avoir repérés. Vous pourriez avoir l'initiative. Très bien, posez-vous. Allons sauver ce peloton. Bon. Idea? Le lieutenant Victus. Oui, mais la connexion est mauvaise. Branche-moi. Ici le commandant. Blablabla. Allez, on avance, on se dépêche. Shepard, des idées sur ce qui a amené les Turiens ici? Quoi que ce soit, je parie que ça vaut le détour. Quel renfort. Allez. C'est bon, ils sont tous morts, ouais. Bon, j'espère qu'elle va pas rebugger cette quête. C'est un vraiment un bug. Ils ont survécu au crash pour être achevés par un dinosaure. Mort dans l'explosion. Ou traîné à l'extérieur et dévoré par des zombies. Vous entendez?
Ok. Merci Abby. Les ennemis devant. Bon, je passe le scénario. Hein. Eh, regardez, il y a le général, je crois, au bout. C'est... Ah non, c'est peut-être pas lui. Allez. Ah, je l'ai tué. Voilà. Merci. On aura eu le succès au moins. Salut Skaos. Ouais. On en a continué. Il faut découvrir le lieu du crash au plus vite. C'est déjà pas facile de perdre des hommes. Mais en plus, quand tout le monde vous compare à votre père, c'est dur. Les enfants ne devraient pas. Qu'est-ce qu'il raconte là ? Pas plus que leurs échecs. Allez dire ça, mon vieux. Bon, on doit pas être loin de la zone où ça buguait tout à l'heure. Ah oui, j'ai vu qu'il y en avait encore un. Pas aveugle. Merde. Putain, j'ai eu les deux. Tous les Turiens sont sauvés. C'est une bonne chose. Par là. Moi sur console, ce bug n'est pas apparu. Bah, je sais pas. Suivez-moi. Peut-être à cause des DLC que j'ai mis, j'en sais rien. Est-ce que vous me recevez ? Ici Shepard. Quelle est votre situation ? On est dedans, commandant. Quand arriverez-vous ? Accrochez-vous. Nous arrivons. Je reconnais même pas la zone pour vous dire. Ah si, c'est bon. Voilà, j'étais là tout à l'heure. Donc on va voir si c'est pareil ou pas maintenant. Waouh, déjà. Je crois que ça y était pas. Donc la quête avait bien bugué. Ça me rassure, c'est pas moi qui suis débile et qui ai raté un truc. Enfin, il me semble pas que ça y était. Oui, là il y a l'échelle. Mais tout à l'heure il n'y avait pas d'ennemis. Ouais, j'ai pas souvenir. Ah, c'était pas comme ça tout à l'heure. C'était pas comme ça du tout, hein, je m'en serais souvenu. D'accord, je suis mort. C'est génial. C'était mieux quand il n'y avait pas d'ennemis, j'étais pas mort. Bon, j'en profitais pour augmenter ma santé là, parce que je vais en avoir besoin. Bonus à la santé et au bouclier, donc hop, voilà, et puis ça, hop, et hop, voilà. Mes coéquipiers, vous avez quoi de bien à mettre là pour augmenter ça? Vitesse de rechargement, fiche 25 de dégâts, ça c'est mieux, plus de dégâts. Étoile gros bourrin de service. Alors je vais faire ce que m'avait dit
Ouais, comme ça c'est pas mal. J'allais mettre un de chaque, mais il l'a mis tout seul. C'est plus mal. Voilà le psychosaure. Il bat en retraite. Quoi, j'ai eu un petit bug là. Désolé pour les 10-15 minutes de galère, mais c'est pas de ma faute. C'est le jeu. Fucking troll. What? Putain, et là il y en a des ennemis, bordel. Ça rigole pas. Et mes coéquipiers, pourquoi vous tirez pas dessus? Affirmatif. Allez vite, il se casse là. Putain. On va pas l'avoir lui. C'est mort. Toi. Putain, le fusil à pompe a l'air super classe. Je pense que je vais le garder un petit moment. Ok. On se concentre. C'est capital de sauver cette escouade. Dans ces moments-là, la politique me gonfle. Est-ce que ça ne plairait pas aux Krogan de virer les moissonneurs de leur planète? Il faut qu'ils combattent côte à côte. Mieux vaut ne pas compliquer les choses. Bon, est-ce que c'est toujours buggé? Allez, on avance! Sur vos talons! Voilà, voilà, voilà. Mange mon fusil à pompe. C'est quoi ces trucs là? Oh bordel. Non, non, pas sur moi, pas sur moi. Dégage. Je crois que ce n'est plus bugué, bah j'espère. J'y croirais qu'on rencontrera le Turien. Putain, mais c'est un sac à PV le bordel. Aïe, qui m'a tapé? Je suis dans la merde. Il faut que je me soigne. Voilà. Merci. Mes coéquipiers, je recule. Hein. Mais non, mais qu'est-ce que je fais? Bordel. Je fais tout le temps des galipettes, je sais pas. Tu es folle! Tu es folle, ma fille! Allez! Putain, mon Kigan là, le fait que je l'ai amélioré, c'est bien efficace. Ah, quand je pense que cette zone était déserte. Ah, maintenant c'est le bordel, c'est l'apocalypse. T'es mort toi? Ouais, t'as l'air mort. Allez. Ouah, non, non, je veux pas mourir. Hop, bordel de merde. Ah d'accord. Je crois pourquoi j'ai pris un max de dégâts. Ouah, ouah, ouah. Putain, l'IRA de Sony, elle est dead. Ouah, ouah.
putain, mais je vais mourir, putain. Ah, je fais n'importe quoi. Il est chaud ce passage du jeu. Hein. Parce que vous en pensez, mais... ça explose de partout. Bordel. Poussez-vous. Putain, mais c'est pas possible. Lâche-moi, salaud. Mais non. Putain. Désolé, hein, j'ai pas de chance aujourd'hui. Bon. Déjà, on va prendre une autre arme. Et on va rester ici. Nous, on va camper sur nos positions, là. Voilà. Et je vais utiliser cette arme de pute. Putain, il est bon. Non, pas sur moi. Hop, galipette. Bordel. Ils sont trop chiants ici. C'est bon, il est mort. Putain, mais ils me font chier avec leurs bombes maintenant. J'ai eu aussi du mal dans cette mission. Ah bah ça me rassure, je suis pas le seul à avoir galéré. Allez, on y croit. Ouais, mais là, entre le bug et ça, maintenant, ça va être un peu chiant. Mais bon, on y croit, on y croit. Go, go, go. Pas que j'avance trop vite non plus, hein. Le bidule, il est pas encore là. Ah, putain de merde. Allez, cours là. J'ai plus sur espace, bordel. Bah oui, maintenant t'as mal. Hein. Connasse. C'est bon, il va exploser, les gars. Boum. Allez. Putain, mais il y en a combien? C'est pas possible. Rentrez chez vous, bordel. Peut-être là, c'est tous les trolls d'internet qui sont sur cette map. Oh, bordel. Eh, oh, tu vas pas me one-shot. C'est la fête, quoi. Putain, mais il y en a partout, ils se téléportent, les bordels. Oh là 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 là. Bah quoi, je me suis pas soigné là. Allez, on y croit. Allez, meurs. Voilà. Il était temps. Bordel. Par là. Eh, hey, vous êtes là maintenant, monsieur le Turien. Tu n'es plus disparu.
Invictus? Commandant Shepard, nous vous devons une fière chandelle. Merci d'avoir sauvé tant d'hommes. Que s'est-il passé? Il a merdé. Assez, soldat! Ces hommes sont morts par sa faute. J'ai dit assez! Hé! Je viens de vous sauver la peau. Alors on se détend. Lieutenant, que se passe-t-il ici? J'ai commis une erreur. Tout est ma faute. J'ai choisi la prudence et la finesse plutôt qu'un assaut frontal. Et mes hommes l'ont payé cher. Vous parlez du crash? Oui. Nous pouvions voir sur Holo que les forces des moissonneurs nous barraient la route. Forcer le passage allait nous coûter cher. Alors, j'ai choisi une route plus sûre en effectuant un contournement à basse altitude par les ruines. On ne pouvait pas manœuvrer quand nous avons rencontré de la résistance. Soudainement, nous nous battions pour nos vies. Bien des nôtres ont été tués. Il faut du cran pour admettre ses erreurs. À présent, il faut aller de l'avant. Bien sûr. C'est récent, voilà tout. Notre mission reste un échec. Quand nous aurons stabilisé l'état des blessés, nous retournerons à la flotte. Vous abandonnez la mission? On a perdu plus de 30 hommes. Ce serait suicidaire. Que veniez-vous faire exactement? Il y a une bombe sur la planète. Nous devions la désamorcer. Une bombe? Quelle taille? Énorme. Cerberus la détient. Lieutenant, si Cerberus a cette bombe, vous devez accomplir votre mission. Ces hommes n'ont pas fait assez de sacrifices? Je comprends. C'est le pire sacrifice qu'on puisse demander, mais vos hommes ont signé pour ça, tout comme vous. Mais je suis méchant, regarde, elle fronce des sourcils, je suis perdu. Pas contente. C'est votre boulot de les inspirer. Comment? Qu'est-ce qui cloche chez vous? Inspirez-les, menacez-les! Lieutenant, si Cerberus gagne, les moissonneurs diviseront pour régner, et ils l'emporteront! Écoutez, ça n'a rien à voir avec vos peurs et vos reproches! Nos peurs! Donc elle est tout le temps méchante! Voilà. Nous sommes Turiens. Nous ne laisserons pas Cerberus l'emporter. Notre sacrifice est tout ce qui sépare la galaxie de la destruction. Vous m'entendez? Nous sommes des Turiens. Nous accomplissons la mission ou nous périssons. Les navettes sont en route, alors soyez parés au combat. On y va! Commandant, venez avec nous. Non. Nous sommes l'ombre de nous-mêmes. Je veux pas. Votre aide. Donnez-moi la position. Je ferai au mieux. Mais soyez-y. Ne buguez pas, monsieur. Le temps de faire une reconnaissance pour jauger l'ennemi. Victus, vous avez une seconde chance. Rendez leur sacrifice utile. Compris, commandant. J'espère vous trouver au point de rendez-vous. Une bombe de Cerberus. Qu'est-ce qui se passe, commandant? Et qu'est-ce que les Turiens viennent faire là-dedans? Les coordonnées données par Victus indiquent la vallée de Kelfic. C'est une zone fortement peuplée. J'en sais pas plus. Il y a quelque chose de suspect là-dedans. Que suggérez-vous? Faites cracher le morceau au Primark. Devrions-nous alerter l'armée Krogan? Attendez, il faut qu'on en sache plus. Les relations Turio-Krogan seront fragiles tant qu'il y aura le génophage. Restons prudents. Et cette bombe alors? Combien de troupes de Cerberus s'en occupent? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut pas les laisser faire sauter cette bombe. Tenez-moi informé, à quête terminée. Primark Victus. Que d'exploits sur Tuchanka, je vous remercie d'avoir. Primark Victus, pourquoi ne pas m'avoir parlé de la bombe de Cerberus? Pourquoi cette cachotterie? Que me cachez-vous d'autre? Je n'ai rien à dire. Pour que notre alliance marche, je dois vous faire confiance. Votre amitié est nouvelle, commandant. Me confieriez-vous des informations qui mettent en péril votre peuple, la Terre? Pourquoi je compromettrais notre alliance en vous mentant? C'est ridicule. Ce genre de décision pèse lourd sur ma conscience. Quand j'étais général, je m'en remettais à vous. Eh oui, Ayato. Mais je n'ai plus de pouvoir aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et c'est tout. Bon, j'allais oublier, commandant. Merci d'avoir sauvé mon fils.
Shepard, test vérifié. Résultat prometteur. Peut synthétiser pour immunité Krogan universelle. Alors vas-y, fonce. Vous pouvez donc ranger votre lame. Le remède est prêt ? Non, encore besoin de vecteurs de transmission. Yeah. Remède inutile si non administré à l'espèce entière. Vous n'avez pas eu de mal à les contaminer ? Le remède est si différent que ça ? Non, garde même modalité si possible. Plus facile de développer remède rapidement. Au souterrain. Hey, Yato, t'as rien compris. Inoculation volontaire risquée. Population trop éparse. À moins que. Attendez. Mais oui ! Le voile ! Dispersion constante et globale de particules d'air, conçue par Galarien pour réparer atmosphère de Tuchanka. Aussi utilisée par Turien. Nous l'avons utilisé pour répandre secrètement le virus de génophage, ce qui a mis fin à la rébellion Krogan. Faites attention à qui vous en parlez. Parfois je comprends pourquoi les Krogan veulent tirer sur tout ce qui bouge. Nous étions désespérés. Oui, oui, mais utile maintenant. Souche originelle. C'est ça, Matalia. Encore en stock au complexe du voile. Peut servir de vecteur de transmission, puis utiliser le voile pour répandre remède sur tout Chanka. Quel savant petit Vichak. Voilà notre meilleure chance. Allez, dernière canette de Red Bull. Oui, tenez-vous prêt, Mordine. Bien sûr. Prêt quand vous voulez. Ça m'aide à tenir. Avec Eve d'ici là. Commandant, oui, ça arrive de rien comprendre, t'en fais pas, Yato, ça m'arrive souvent aussi. Commando. On va faire ça vite fait. Tir percussif. C'est 4. Voilà. Bon. On va faire une autre mission. T'es qui toi ? Shepard, vous êtes vraiment d'un grand réconfort. Contente de vous voir aussi, amiral. Amiral, ce n'est pas parce que je vous ai rien. C'est celui qui est assis sur Terre, Anderson. Et c'est écrit en plus, Anderson. Contente que vous ayez réussi à rester en vie, Anderson. Je préfère ça. Alors vous avez. Mais par contre, avec la casquette et la tenue et tout. On peut enfin respirer. Pas tout à fait. Il y a eu quelques complications. Comme toujours, Hackett m'a parlé du creuset. Vous avez de quoi vous occuper, on dirait. Je sais pas comment vous gérez toute cette politique. Moi, ça me gonfle. Je crois me souvenir que c'est vous qui m'avez nommé. Ouais, toutes mes excuses. Dites-vous juste que plus ils se plaignent, plus ça veut dire que vous agissez. Et vous ? Quelle est la situation sur Terre ? Je vous épargne les détails, mais disons qu'on est sans nouvelles de nombreuses villes à travers la planète. À ce point-là ? On savait tous les deux dans quoi on s'engageait, mais les autres, je crois qu'ils sont encore sous le choc. Vous allez bien ? Ça change d'heure en heure. J'ai pris une navette d'évacuation à Vancouver, et depuis, on passe de planque en planque en espérant juste rester en vie. Et les moissonneurs ? Ils moissonnent tout ce qui bouge, mais ils se concentrent sur les grandes villes, ce qui nous laisse un peu de marge de manœuvre. Vous croyez pouvoir tenir ? Il faudrait déjà qu'on arrive à communiquer entre nous. Tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est organiser la résistance à l'échelle locale. Au moins, on ne manque pas de volontaires. Les gens ont conscience des enjeux. Je sais pas comment, mais on finira par gagner. Même si je dois y rester. Vous êtes déjà morte une fois, et ça ne vous a pas arrêté. Mais mieux vaut ne pas tenter le diable. Prenez soin de vous, Shepard. De même, amiral. À bientôt, Anderson terminé. À bientôt, Anderson. J'espère qu'il va pas mourir, parce qu'il est là depuis longtemps, et... Je l'aime bien, Anderson, moi. Je trouve sympa, ce perso. Ça va, Brex ? Qu'est-ce qui se passe avec le Primark ? Ah, mon pote ! Rien mijote quelque chose ? Rien du tout. Ne vous en faites pas. Mm-hmm. D'accord. Merci de me croire. C'est tout pour le moment. Ouais. Un problème ? Mordine. Il a prélevé un échantillon sur moi. Les scalpels n'ont pas été conçus pour ce qu'il a fait. Est-ce que ça veut dire qu'il faut y voir Mordine ? Quand on était sur la citadelle, en fait... Vas-y, on va voir Mordine là, Wes. Vas-y, Mordine, t'es où ? Commandant, Cerberus attaque des civils sur Benang. M'en fous. Demande d'évacuer la planète. Vous
Ça veut dire quoi ça? De quoi ça veut dire quoi ça? Mordine, où est-ce qu'il est déjà? Je crois qu'il est ici, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Et open the door. Shepard, Eve prête à partir pour Tuchanka. Comment va-t-elle? Pas de fièvre pour l'instant. Rythme cardiaque élevé, peut-être dû au stress. Appétit normal, besoin probable d'autres couvertures. Quelque chose de doux. Préfère la laisser se rétablir avant de ça. Ouais, ça tu nous l'avais dit. Pour ça. Son opinion un peu différente. Donc faut qu'on la ramène à Tuchanka ou je sais pas quoi. Si vous avez besoin de moi, je continue d'étudier le. Donc si j'ai possibilité d'aller sur cette planète avec un objectif, etc. Enfin, qui montre que c'est scripté et qu'on doit y aller. Je vais y aller tout de suite, sinon je vais faire autre chose. Alors, la fin du génophage. Ah bah voilà. On va aller ici. Ennemi détecté aux coordonnées d'atterrissage. Joker, qu'est-ce qu'on a? Les capteurs montrent un moissonneur au complexe du voile. Vous n'arriverez jamais à y faire atterrir une navette. Que tout le monde se réunisse dans le centre de commandement. Ne perdez pas le voile de vue. Compris, chef. Moi aussi, je l'aime bien, nouvelle les jeux. Forme de moissonneur. Utilise voile pour empoisonner l'atmosphère de Tuchanka. Problématique. Ils veulent la guerre. Ils vont la voir. Remarque, nous allons avoir besoin de vous. Maintenant que tu remarques qu'ils veulent la guerre, toi. Ça risque d'être difficile. T'aimes bien Vrex, mais des fois, hein. Catastrophique. Tenez parole. Vous vouliez aider. C'est le moment ou jamais. Je vous écoute. Une attaque combinée. Votre peuple frappe le moissonneur depuis les airs. Et Vrex, au même moment, vos soldats lancent une attaque au sol. Ensemble, vous pourrez l'éloigner de la tour. Oui, diversion. Petite équipe peut atteindre complexe du voile et synthétiser remède. Eve devra venir avec nous. L'échec n'est pas une option, tout le monde est partant. Alors, non, c'est maintenant je demande pas la vie, moi. On y va, c'est tout. Maintenant, le génophage n'a que trop duré. Ok. Vous avez un nouveau message. Dans la trace. Shepard, nous savons que vous avez rejoint Tuchanka. Et j'imagine que Mordine vous a suggéré d'utiliser le voile. Vous nous espionnez? Nul besoin. Le voile est le seul plan d'action qui ait une chance de fonctionner. Commandant, ne laissez pas vos naïves affinités avec les Krogan obscurcir votre jugement. Croyez-vous sincèrement que guérir le génophage peut mener à une paix durable? Oui. Nous devons laisser cette chance aux Krogan. On ne peut pas condamner une race tout entière sur de simples suppositions. Ce qui se passera, c'est que les Krogan prolifèreront dans tous les sens. C'est pour leur nature barbare que nous avons édifié les Krogan, pas pour leur talent de diplomate. Une nouvelle guerre est inévitable. Parle bien des Krogan, toi, connard. Il y a des années, nos agents ont saboté le complexe du voile pour prévenir ce genre de revirement. Puis au pire, s'ils refont la guerre, vous refaites un génophage et puis voilà. Mais ne si pas vous chier, laisse-leur une chance. La viabilité du remède qui restera sans On effet. Apprend des erreurs du passé, n'est-ce pas? Vous voulez que je roule les Krogan? Inutile qu'ils en sachent trop. Laissez croire à Urnod Vrex que vous avez tenu parole. Non. Mordine n'approuverait jamais ça. Je vous laisse vous occuper de lui, commandant. Nous mettrons à votre disposition nos meilleurs scientifiques pour construire le creuset. Ainsi que l'ensemble de nos flottes. Si je sabote le remède. C'est à vous de voir, commandant. Réfléchissez bien. Jamais de la vie. C'est quoi ça, là? N'importe quoi. Shepard, n'aie même pas de doute sur ce que tu vas faire. Non mais où? Et on va prendre Carus. Hop. Ouais, mais il peut en avoir un autre génophage avec un autre virus. Donc voilà, hein, fuck. Fuck. Rien ici.
Allez, hop. Bon, on va rester comme ça pour le moment. Alors, on va mettre juste un seul de chaque, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ce que j'ai pas fait au début. Au début, j'ai fait un peu à ma sauce, mais bon. Confirmé, vas-y. Et merde, j'ai pas fait les autres persos, tant pis. Brex, vous êtes sûr que vous êtes prêt à y aller après le prélèvement? Un mot de plus, et je balance quelqu'un hors de la navette. J'ai ordonné au clan de se rendre dans les ravins. C'est notre lieu de rassemblement sacré. Nous atterrirons là-bas et dirigerons un convoi blindé contre le moissonneur. Ce sera le rendez-vous avec l'histoire des Krogan. Histoire Krogan pleine d'événements critiques, souvent sanglants. Pas cette fois, j'espère. Commandant, qu'est-ce qui vous trouble ? J'ai reçu un message de... Vrex, c'est Vriv. Les moissonneurs sont déjà dans les ravins. Sortez l'artillerie lourde. Accrochez-vous. On y va. D'autant que je peux te dire, puisque tu comptes évidemment soigner les Krogan, mais si tu décides de ne pas les guérir alors que Vrex est en vie, tu dois tuer Mordin pour l'empêcher de réparer le vrai. Écartez-les de la femelle. Je vais mettre les choses en ordre avec les autres clans. On peut pas garder les deux en vie. Enfin, mettre en route le vaccin et Mordin en vie. Tout le monde choisit une cible et surveille. Garder Mordin en vie. Les voilà. Avancez. Les laissez pas monter jusqu'ici. Je parle. C'est moche par ici. Quoi qu'il arrive, tenez-les à l'écart de la femelle. C'est bon, ça les one shot ça. Donc. Eh, dégage. Quoi ces trucs là? Wow. Putain, mais Lyara elle est déjà. Ah, mais t'es nul. Ah, dégage. Je vais éclater la tête. On les a presque tous descendus. Ouh, il a reculé lui là, ça a pas dû lui faire du bien. Ah Garus, arrivé à temps apparemment. On chantera cet exploit un jour ou l'autre. Notre sol s'est enfin gorgé du sang du moissonneur. D'accord, Abby. Il faut atteindre le voile. L'escadrille est en route. Bah, on va devoir tuer Mordin. Sauve, préparez-vous à faire son notre deuil. Ça gâle à rien ici. Ce n'était absolument pas prévu. Plusieurs Krogan. Problématique. Il sauve votre peuple. Il a un nom, Mordin Solus. Et il vient vous aider à guérir du génophage. Les siens nous ont donné le génophage. Pourquoi le croire? Voilà. Et tu obéiras. Vous pouvez rester là à retourner le couteau dans de vieilles plaies. Ou vous battre contre votre ennemi naturel et donner un avenir nouveau à nos enfants. Je choisis de me battre. Qui est avec moi? Je le suis. Et moi aussi. Maintenant, relevez la tête, comme de vrais Krogan. Nous avons un moissonneur à tuer. Ça se trouve, j'ai réussi à faire autre chose, hein, Yato. Que j'aimerais bien sauver tout le monde, moi. On va voir si c'est possible ou non, mais... Ça me ferait bien chier de perdre un des deux. Mais bon, je préfère sauver Vrex. Notre plan de vol vers le voile est verrouillé. Nous sommes à 10 minutes et nous approchons. Bien
Je veux les sauver du génophage. Pas le seul Krogan à vouloir se venger du génophage. Donc je dois tuer Mordine. Enfin, c'est ça, si j'ai compris ce que tu m'as dit. Je demanderai que le Conseil nous rende une partie de notre territoire. Il nous faudra de la place et ressusciter la gloire des anciens. Gloire des anciens mena aux rébellions. Mort innombrable. Création du. Enfin, on va bien voir, ça sert à rien de spoiler de toute façon sur ça, étant donné que ça changera selon ce que je vais faire. Les Krogan le méritent. Je dirais que votre aide face aux moissonneurs vaut bien une planète. Ou 10. Vous ne savez pas à quelle vitesse nous les peuplons. Vrex. Quoi? Une fois le génophage éliminé, nous aurons du temps à rattraper. Commandant, dans la navette, vous vouliez dire quelque chose? La Dalatras a tenté de passer un accord secret avec moi. De quel genre? Elle a dit qu'ils avaient saboté le voile il y a des années. Le remède sera sans effet, à moins de le réparer. Il y a des années, nos agents ont saboté le complexe du voile pour prévenir ce genre de revirement. Elle nous croyait donc aussi ignorants? À bon droit. Test probablement inutile, mais familier avec procédure GSI, peu ajusté. Pas venu de si loin pour rien. Ah donc, il y a personne qui meurt. Vous avez évité un autre génocide à notre espèce. Envers à Abby, laisse tomber. Vous avez dit qu'on pouvait compter sur elle. On verra au moment présent ce qui va se passer. Ça sert à rien de spoiler et de parler de ce qui va se passer, étant donné que ça va peut-être changer selon mes actes. Ça fait loin à pied. Putain, il y a Sauron. Il manque juste l'œil de Sauron Rex, dessus. Vous ça. Et Mordine, restez avec Eve. C'est mal parti par ici. Oh. Y a personne. Quel est le souci? La route est coupée. Le convoi passera pas. À toute, Matalia. Artimek, ici Shepard. Nous avons du retard. Retardez l'attaque. Négatif, commandant. Nous sommes en approche. Le moissonneur nous a repérés. La frappe aérienne seule ne suffira pas. Il faut y aller. Ah, cinématique. Elle a été très courte. Même si on doit construire une nouvelle route, nous irons. Shepard! De véhicule, non? On s'en sortira seul. Ouais, on s'en sortira seul. Enfin, j'espère. Rex, vous me recevez? Tout le monde va bien? Ouais, quelques bobos. Rien que le Galarien ne puisse guérir. C'était quoi? Le camion de Vrive s'en est sorti aussi. Un mode survival aurore là. Il nous faut un nouveau plan pour le mois. Les effets de lumière sont plutôt bien faits. Où avez-vous atterri? Sous le sol. Nous voyons des sortes de ruines. Commandant, désolé, mais le sol bouge là-dessous. Vous sentez les secousses? Rien du tout. Ça pourrait être autre chose, commandant. On dit que Kalros, la mère de tous les dévoreurs, vit par ici. Oh merde. Je pour ne pas traîner dans les parages, Shepard. Activez. J'ai bien entendu. Kalros, la mère de tous les dévoreurs. Et pas Carlos, hein. Pas confondre. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Bonne question, je me la pose aussi. C'est un cadavre. Shepard, si je n'en savais pas plus, je dirais que nous avons déjà vu ça avant. Elle a raison. On dirait un Rakhni. Un Rakhni? Mais comment? La reine que vous avez libérée sur Noveria a promis de vivre en paix. Celui-ci est différent. Il a muté. Vrex, ces rumeurs étaient fondées. Il y a un Rakhni ici. Je sais. On vient de s'en payer quelques-uns. On s'en chargera après. Mais ça se voit, il est en mode zombie, là. D'accord, nous tâchons de trouver une sortie. Comme avec les humains qui deviennent des zombies. Là, c'est ensemble.
On voit le truc bleu autour. Donc les Rachni auraient été utilisés. On les a sauvés de l'extinction hein, dans Mass Effect 1. Là apparemment ils sont dans la merde. Si vous pouvez voir le soleil, c'est un progrès. Et de la verdure. Je croyais qu'il n'y en avait plus sur ce monde. Vous contemplez l'espoir. C'est tout ce qu'il en reste sur toute Janka. C'était un monde vibrant de beauté. Avec de la chance, il peut le redevenir. Shepard, ce moissonneur cause toujours des ennuis au voile. Trouvez une sortie, qu'on vienne vous chercher. Le calme ne dure jamais. On essaye. Wow. Ce sera une autre fois. Prendre une arme un petit peu plus précise quand même. Ouah, c'est quoi ces petites araignées là? Ouah, 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 ça fait mal. Ah, mais dégagez! Là. Bordel de merde. Bon. Mes armes là sont pas très bien. Voir que c'est des armes comme ça là. J'aime bien celle-là. Bien utile. C'est pas mort. Ça te dirait de mourir, mec? Et toi, ça te dirait aussi de mourir? Merci. Bon. Ce n'est pas terminé. Oh bordel, faire foutre. Ils aiment pas beaucoup cela. Voilà. Plus de peur que de mal. Rex, vous aviez raison pour Kalros. La voilà. Ouais, nous avons quelques idées à vous. Quoi? Plus tard, Rex. Le commandant a assez de préoccupations. Qu'est-ce qui se passe? Folle dont nous parlerons plus tard. Pour l'instant, contentez-vous de sortir de là. D'accord. Putain de merde. Mais comment ils font pour me toucher là? Donc là, elle arrive même pas avec un simple zombie de merde. Putain, mais quelle bande de nazes. Wow, wow, en fait, non, je comprends.
Allez. Tu l'as tué, voilà. Il y en a un autre là ou pas? Grand c'est Krogan. Shepard, nous arrivons sur le pont. Descendez-y et nous attendez. Talros. Rex. Cassez-vous, on s'arrache de... Oh là. Confirmation instinct territorial. Elle ne nous aura pas. Allez, cours. Partez devant Shepard. On sème cette chose et on vous retrouve. Ouais, je vois ça, oui. Je me demande si je les avais pas sauvés, ce qui se serait passé dans le jeu. Attention, on voit la nôtre, droit devant. Je les vois. Toi. Putain, il y a trop d'ennemis. Ah merde. Non, dégage toi. Putain, je me trompe de bouton. Fais chier. Ah bordel. Puis les alliés là, elles sont vraiment pas utiles. Je fais ce que je peux, Vrex, mais tu m'excuseras. Mais... Voilà. Bon. On va y arriver. Shepard, venez par ici. Dave, garde l'œil sur ce dévoreur. D'accord, Abby. Je ne veux pas qu'il nous chope en douce. Faites vite, Vrex. Bougez! C'est Kalros! Donc Kalros n'est pas l'arachnie qu'on avait sauvée. Bougez, je sais pas. On est là, allez! Evrive? Impossible qu'il ait survécu. C'était un emmerdeur de toute façon. Sans pitié, quoi. Un moissonneur nous attend. Un moissonneur nous attend. Nous n'avons pas de plan. Je sais que nous avons déjà fait l'impossible. Mais atteindre cette tour, je sais pas, Shepard. Nous vaincrons le génophage, quel qu'en soit le prix à payer. L'avenir de mon peuple en dépend. Alors j'espère que l'idée dont vous parliez est bonne. C'était la sienne, en fait. Kalros, attirons-la vers le moissonneur. Ça pourrait marcher? Pas con. Stratégie déjà discutée. Il faut distraire moissonneur, l'éloigner de Tours pour synthétiser et diffuser traitement. On a traversé le relais Oméga 4 sans y laisser notre peau. On peut survivre à ça. Vous avez du cran, Shepard. Comment faire pour l'attirer? La tour a été construite dans une arène consacrée à Kalros. Les Galariens pensaient qu'elle effraierait les intrus. Apparemment, c'est réussi. Il y a deux marteaux à dévoreurs ici, et d'une belle taille. Si vous pouvez les activer, vous attirerez Kalros. Ça distraira le moissonneur. Entre-temps, laboratoire proche. Finir synthétisation du traitement. On sait pourquoi on est là et ce qui est en jeu. Alors allons-y. Attendez. Je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive, vous avez été la championne des Krogan, une amie du clan Urnot, et une sœur pour moi. Pour tous les Krogan nés après ce jour, Shepard sera synonyme d'héroïsme. Ça me touche, Rex. À présent, montrons-leur pourquoi. Merci, Rex. Je suis ému.
On dirait des grosses paires de couilles, leur truc là, c'est dégueulasse. Ah, je suis honoré, ouais. Carrément, il y a de l'autre côté. Restez en vie, Shepard, le remède sera prêt. Il faut entrer là-dedans. Mort, toi. Nous sommes occupés, Vrex. Coup de bol, je suis là. Je m'en charge. Ouais. Peut-être par là. Non. Putain, je vais encore bloqué, c'est pas possible. Ah. Shepard, quelle chance. Souche originelle en stock. Préparation du remède. Par la déesse, à gauche. On commence à se faire déborder. Oh là. Tout le monde va bien? On a été grillé par le moissonneur. Je crois. Il faut activer les deux. Suivez mon conseil et évitez le laser géant. Bah oui, je me doute bien qu'il faut éviter le laser. Voilà, là, bordel. C'est sûr, au moins. Ne vous arrêtez pas. Restez à couvert. J'ai du mal à croire qu'on est en train de faire ça. Ne vous arrêtez pas. Ah. Run, Shepard! À gauche, l'un des marteaux! Ce deuxième est à droite! Allez, un marteau! Oh putain de merde! Un pied géant! Aïe! Oh bordel! Aïe! Putain, je comprends pas! Y'a trop de fumée! Oh bordel! Allez, votre marteau il est juste en face. Wow, j'ai pris trop cher. Il y a un moissonneur sur la route, Rex. Toujours les mêmes qui s'amusent. T'as qu'à venir avec moi, Rex, hein, t'es le bienvenu. Voilà, on a activé les deux. Épique. Ah, il se fait défoncer le moissonneur. Ah, elle l'a eu. Allons sauver les Krogan.
Mordine, le remède est prêt? Oui, chargé pour dispersion dans 2 minutes. Processus traumatisant pour Eve, mais non létal. Recherche de Maëlon inestimable. Elle va bien? En sécurité maintenant. Sa survie est heureuse. Stabilisera nouveau gouvernement en attendant nouvelles idées de Vrex. Avenir prometteur pour Krogan. Merde! Salle de contrôle au sommet de tour. Je dois prendre ascenseur. Vous allez monter? Oui. Accès manuel requis. Je dois contrer sabotage, GSI, pour assurer dispersion optimale. Mordine, tout va sauter. Il doit y avoir une autre solution. Contournement impossible à distance. Contre-mesure GSI active. Pas le temps d'ajuster remède selon variation thermique. Non. Pas d'autre option. Pas de retour. Conseil, partez vite. Explosion... Mordine, non! Shepard, s'il vous plaît. Chose nécessaire. Mon projet. Mon travail. Mon remède. Ma responsabilité. Je voulais mener test sur coquillage. Je suis désolé. Moi pas. Devait être moi. Au revoir, Mordine. Risque d'erreur si fait par quelqu'un d'autre. Putain, fait chier. J'espère qu'il va revenir. Je pense pas. Mais... Tu seras mort en héros en tout cas si tu meurs. Voilà. Pêche-toi pas surtout. Sécurité classique. Protection standard. Excellent travail. Oui, oui. La température est désormais correcte. Dispersion initiée. Génophage éliminé. Krogan libre. Nouvelle ère pour nous tous. Oh. D'accord, Abby. C'est triste. Mais bon, c'est un maigre sacrifice. Les Krogan sont sauvés maintenant. Longtemps. Mon père m'a trahi à cet endroit. Il a tenté de tuer son propre fils. J'ai dû le tuer. Juste un peu plus loin, le génophage nous avait avilis, comme des bêtes. Mais aujourd'hui, vous avez tout changé, Shepard. Maintenant, on se battra pour nos enfants, pas contre eux. C'est vraiment dommage que Mordine soit mort. C'est ce qu'il aurait voulu, c'est certain. Où qu'il soit aujourd'hui. Je suis sûr qu'il parle de nous en bien. On donnera son nom à un des enfants. Peut-être à une fille. Ni vous, commandant. On peut vous remercier en personne. Dites aux Turiens que j'envoie immédiatement des troupes sur Palaven. Et quand vous irez bouter les moissonneurs hors de votre planète, prévenez-moi. Les Krogan sont de retour. Krogan is back. Au revoir, commandant. Qu'est-ce que vous allez faire? On va faire l'amour. La flamme de l'espoir. Des clans se rassemblent dans la vallée de Kelfic en ce moment même. J'irai leur parler pour qu'ils ne gaspillent pas cette chance. Merci pour tout ce que vous avez fait. Au fait, Urdnot Bakara est votre ami. Ah, je suis quand même perdu. Vous avez fait du sacré boulot, commandant. Un allié. Guérir le génophage,
Je ne pensais pas voir ça un jour. Vrex a accepté d'aider les Turiens, Amiral. Nous devrions avoir leur soutien. J'en déduis que nous pouvons faire une croix sur les Galariens. Le prix de leur soutien a été trop élevé. Soit, je m'en remets à votre jugement, commandant. Nous tâcherons de nous passer d'eux. Fin de transmission. Galarien qui allait se faire foutre. Commandant, Urdnot Vrex a envoyé des troupes sur Palaven. Vous avez tenu parole, maintenant c'est mon tour. La hiérarchie turienne soutiendra les humains contre les moissonneurs. Nous aurons besoin de vous. N'oubliez pas où nous vivons. Jamais. Soit nous combattons ensemble, soit nous périssons. Plusieurs bâtiments en cale sèche peuvent aider à la construction du creuset. Garrus va les coordonner. Entendu. Et le moment venu, l'ensemble de notre flotte sera prête à défendre la Terre. Que les esprits veillent sur nous tous. Je m'occupe de gérer l'appui turien tout de suite. Oui, Macalia, Mordine est mort. Tu as raté quelque chose. Ça doit pas être facile. De bien. Je dormirai quand je serai morte. Pour gagner une guerre, il faut avoir les idées claires. On n'a pas le droit à l'erreur. Vous devriez aller faire un somme. Je veillerai à ce que Joker ne lance pas de mission suicide. Au moindre incident, faites-moi signe. Et après cette scène-là, je mettrai fin au live Mass Effect et on se retrouvera ensuite pour du South Park. Ce sera plus en live détente celui-là. Et je ferai un let's play un jour, un vrai let's play dessus, mais là ce sera plus comme Final Fantasy. On voit que Shepard est quand même tourmenté. Et ça, dans le High 2, on ne voyait pas cet aspect-là de Shepard. On se retrouvera tous à votre retour. On voyait pas trop la psychologie du personnage. Et dans le 3, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire ça et c'est plutôt bien. Tout le monde est rendu sur le jeu du moment. Ah, c'est pour ça que c'est plus un live détente qu'un let's play. Moi, je le ferai vraiment let's play quand j'en aurai envie. Là, j'ai juste envie d'y jouer et de m'amuser. Voilà, j'ai pas envie de me concentrer à commenter, etc. C'est vraiment en mode détente. C'est ouvert. Shepard, il y a quelque chose que vous devez savoir. Très bien. Je tombe mal. Je pense à quelques amis qui sont plus là. À cause de cette guerre. À cause des moissonneurs, pas de vous. Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Ashley me manque. Personne non. Dont j'ai envie de parler pour l'instant. Elle ne me manque pas, Ashley. Je comprends. Vous vouliez me parler ? Le conseiller galarien veut vous parler au plus vite. Laissez-moi deviner. Il a appelé la salle des transmissions. Le conseil doit prendre le creuset vraiment très au sérieux. Je vous retrouve en bas. Commandant, quand vous aurez fini de réécrire l'histoire, j'aimerais m'entretenir avec vous. J'ai fait un choix, conseiller. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Oui, nous aurons bientôt plusieurs milliards de Krogan sur les bras. Heureusement que je vous dois la vie.
Shepard, bilan. Sinon quoi, connard? Je m'inquiète pour votre représentant humain, le conseiller Donnell Oudina. Mes agents viennent de découvrir qu'il détourne de fortes sommes d'argent. Nous ignorons encore dans quel but. Si c'est vrai, nous devons tirer cette affaire au clair, et vite. En effet. Je vous attends à la citadelle. Nous discuterons de tout cela en privé. Valerne, terminé. Putain, Udina qui détourne de l'argent maintenant. Qu'est-ce qu'il fait, ce connard ? L'amiral Hackett est disponible par vidéo. Donc ça, je n'y touche pas pour le moment. Je pense que je vais arrêter là. Enfin, je vais me promener un petit peu là. Je vais voir ce qu'il y a à faire. Bethany, vous avez vu les vidéos du dévoreur qui vient à bout d'un moissonneur? Qu'est-ce que j'aurais voulu voir ça? Commandant, l'amiral Hackett requiert votre aide contre une base de chasseurs de Cerberus sur Noveria. Oui, bah, l'amiral Hackett attendra. Voir ce qu'on peut acheter. D'ailleurs, j'aimerais que tu sauves le conseil, c'est un homme. Elle mange pas mal de pruneaux quand même. Les systèmes furtifs de l'UT 40. Bon. Non, ça c'est pas la boutique. Les boutiques, elles sont là, je crois. Alors, qu'est-ce que je vais augmenter? Je vais regarder le nom de l'arme. Voilà, la mitraillette là, c'est le Vindicator. Celle-là que je dois améliorer. Le Vindicator, voilà. Heureusement, t'es presque aussi bon pilote que tu le prétends. Ouais, aussi, y'a de ça. Maintenant, le petit pistolet que j'ai là. Peut-être des bombes à moitié. Je crois que c'est celui-là. Donc c'est le Scorpion. Hop, on va l'améliorer lui aussi. Non, pourquoi tu t'es mis sur le Mantis? Par contre, là, j'aimerais bien aussi améliorer les armures, tout ça. Acheter des mods. Pour... L'armure en stock. Ah, il y en a ici. Amélioration, réserve de cartouches, armure inferno. Putain, on dirait Iron Man, l'armure. Vous trouvez pas? Par contre, j'ai pas assez d'argent. J'achète que les améliorations, je vais pas acheter ça. Voilà. Donc logiquement là, voilà, j'ai le 5. Toi aussi. Voilà, je devrais être vraiment mieux là maintenant. Donc je pense qu'on va arrêter là pour ce live et puis j'espère faire la suite très rapidement parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'avais pas joué à Mass Effect et il faut que je retrouve le rythme de live que j'avais par exemple la semaine dernière. Je faisais un live tous les soirs, là en ce moment c'est plus trop le cas, donc j'espère que ça vous dérange pas dans un premier temps et puis que je vais retrouver la pêche pour recontinuer sur ce rythme là. Donc je vous dis à dans 5-10 minutes pour ceux qui restent pour le Live South Park. Et pour les autres, eh bien je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous de m'avoir accordé un peu de votre temps et à bientôt. Bye bye.